Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. بسم الله. والصلاة. والصلاة. والسلام. والسلام. على. على. رسول الله. رسول الله. اللهم. افتح لي أبواب رحمتك أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم Alors les enfants, nous continuons aujourd'hui l'histoire des mamans. Exactement. Nos histoires qui nous prouvent, qui nous indiquent, qui nous informent de l'importance de notre maman, de l'importance d'avoir un bon comportement envers sa maman. Et aujourd'hui, les enfants, on va parler et on va commencer avec l'histoire d'Ibn al-Hassan. C'est quoi? Ibn al-Hassan. Il était dans un endroit où sa maman n'était pas loin. Et vous savez ce qu'il a vu ? Non. Il a vu un scorpion. Quoi ? Un scorpion. Où ? Le aqrab. Où ? Et le scorpion, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous pique. Il nous pique. Et la piqûre avec du scorpion, bouche. La piqûre du scorpion, elle fait très très mal. Et la piqûre du scorpion, lorsque le scorpion te pique, ça peut te paralyser. C'est très dangereux, c'est-à-dire tu ne pourras plus bouger, tu auras mal. C'est très douloureux. Et lorsque Ibn al-Hassan, il a vu ce scorpion, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, je vais le tuer. Il a couru après. Mais le scorpion, il a réussi à rentrer dans son trou, dans son terrier. Après ? Généralement, quand il rentre dans le terrier, c'est tout. Il va mourir. On le laisse. Qu'est-ce qu'il a fait, Ibn al-Hassan ? Il a pris sa main et il a rentré sa main dans le terrier. Il a rentré sa main dans le terrier. Dans le terrier. Terrier, c'est le trou. Le trou où le scorpion il se réfugie. Comme sa maison. D'accord ? Il a mis ses doigts. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est fait piquer par le scorpion. Il s'est fait piquer par le scorpion. Alors les gens lui ont dit, mais pourquoi t'as fait ça ? Ils lui ont dit, pourquoi ? Pourquoi t'as mis tes doigts dans le trou ? Il a dit, parce que j'ai eu peur qu'il ressorte et qu'il pique ma maman. J'ai eu peur qu'il ressorte et qu'il pique ma maman. Donc regardez comment il a pensé à sa maman et comment il s'est sacrifié lui-même. Il a préféré avoir mal lui-même que de faire mal ou que de risquer ou de penser que sa maman aurait mal. Alors les enfants, maintenant on va parler de l'histoire de Mohammed ou de ce que rapporte Mohammed ibn Sirin, qui était un très grand savant. Répétez, Mohammed. Mohammed. Ibn. Ibn. Sirin. Sirin. Il dit, Mohammed ibn Sirin, au temps de Uthman ibn Affan. Répétez, Uthman. Uthman. Ibn Affan. Ibn Affan. Il dit, de son temps, les palmiers coûtait très très cher. Vous savez c'est quoi un palmier ? Oui. D'accord, c'est l'arbre dans lequel ils poussent les
C'est quoi les fruits du palmier? Des bananes. Non. Des pommes. Des dattes. Des dattes. D'accord. Le palmier donne des dattes. Des dattes. Des dattes. Le nakhla, le tamr. Les dattes. Ils sont marrons. Tamra. Ils sont marrons. Ah, ils sont secs. Moi aussi, et les palmiers, ils coûtaient très cher. Ils coûtaient 1000 dirhams. Et les dirhams, c'était des pièces d'argent. D'accord. Oui, maintenant, c'est au Maroc. Mais avant au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les dinars, c'était des pièces d'or. Et les dirhams, c'était des pièces d'argent. D'accord. Et donc, les palmiers coûtaient très cher. Et Oussama ibn Zayd, qu'est-ce qu'il a fait? Les acheter. Il a été acheter un palmier. Donc, il a payé beaucoup d'argent pour acheter un palmier. Un palmier. Pas pour. Mais vous savez ce qu'il a fait? Non. Il l'a enlevé. Donc, quand il a acheté son palmier, alors généralement, quand on achète un palmier, ben c'est pour cultiver les dattes et après revendre les dattes pour gagner de l'argent. Et bien lui, non. Il a arraché le palmier. Et quand tu arraches la racine du palmier, il y a un bout qu'on appelle le cœur de palmier. Le cœur de palmier, c'est tout au bout de la racine. Quand tu arraches le palmier, donc bien sûr, quand il est encore... tu vas pas arracher un grand palmier, mais quand il est encore jeune, quand il est encore petit, tu l'arraches, il y a un bout blanc que tu peux manger. Et c'est bon pour la santé. C'est sucré. C'est même bon. Ça donne des forces, etc. Pour ceux qui sont... pauvres. Oui, même pour ceux qui font des efforts, etc. Ils vont manger ça. Ça va leur donner des... Des forces. Donc imaginez, lui a payé un palmier 1000 pièces d'argent. C'est beaucoup, c'est très cher. Et il a arraché pour récupérer le cœur de palmier. Et qu'est-ce qu'il a fait avec le cœur de palmier? Il a donné à sa maman. Exactement. Il l'a récupéré et il l'a donné à sa maman. Alors les gens, ils ont dit, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Ils lui ont dit, c'est tellement cher, t'as pris ça, t'aurais pu donner quelque chose d'autre à sa maman. Il a dit, non. Ma mère, elle l'a demandé. Ma mère, elle m'a demandé le cœur de palmier. Et il n'y a pas une seule chose que ma mère demande sans que je ne peux l'accomplir, sans que je ne dois lui ramener. Tout ce que sa mère, elle lui demande, il lui ramène. T'imagines, elle a demandé un cœur de palmier, il a payé 1000 pièces d'or pour lui ramener un cœur de palmier. Alors que vous, votre maman, elle vous demande pas de payer, ou elle vous demande pas de ramener un cœur de palmier, elle vous demande simplement d'être gentil à l'école et de faire vos prières et d'être gentil et d'avoir un bon comportement. C'est simplement ça qu'elle veut, votre maman. Donc à vous de ramener tout ce que votre maman veut. Donc à chaque fois que votre maman vous demande quelque chose, vous allez lui